Ok. J'adore avoir raison, si vous le savez. Alors. Bon, pour l'instant, le niveau moins 6, tranquille. Je prends un peu plus de patates, mais je le remets quand même très lourd. Et j'aime prendre cher, donc ça me dérange pas. Ok. Ah, c'est ça que je me demandais, je voulais me faire un petit Oli Ice Tea là, il est tellement bon de nouveau. Pour l'exclamation Oli, ceux qui savent pas, je suis partenaire Oli. Ils vont en sortir un nouveau là, c'est dans le titre d'ailleurs, le Ice Tea Pêche, une tuerie. Au oh putain, bordel, ma vie. Diablo Ice Kei. Le seul défaut, c'est faut que je me lève pour en faire un. Ah, tu vas voir, Zilos, je vous l'ai bien vendu, hein, je sais. Mais vous avez pu voir que moi-même, alors que j'en ai eu gratuit, j'en ai acheté deux en live. Parce qu'il est trop bon. Hein. Ah, t'es triste. Merde, ma vie. Oh, c'est pas grave. Ça va aller. J'ai la potion pire de Florégène. Et merci All Stars pour le 35e mois d'abonnement au niveau 3. Merci beaucoup. Et ouais, on est sur Diablo, premier du nom, avec le mode Belzebub. Et tu sais quoi? C'est vachement bien. Franchement, il est super bien comme jeu. Oh, j'ai des beaux loot là, attendez. Ok. Je sais pas ce que c'est un Scroll of Warp. J'ai pas. Ah, si, j'avais fait Ego Draconis en vieux Divinity. Très sympa d'ailleurs. Très sympa, Ego Draconis. Et après, j'ai défoncé avec Kiki Divinity Original Sin 1, que je trouve est une... C'est un de mes top 10, je pense, d'ailleurs, jeu vidéo. Avec une belle hache à deux mains, évidemment. En vrai, si j'avais une grosse épée, ce serait cool, mais je sais pas s'il y en a. Vous vous rendez compte? Je tiens quand même à vous remercier pour un truc. On est 172 sur Diablo 1. C'est un truc de ouf. Sur un jeu qui a 26 ans. Je trouve ça génial. Donc, merci à vous de votre présence. Sachez que je m'éclate. Je trouve ça assez fou en soi. Close door. Attendez. C'est pas là pour descendre parce qu'en vrai je me sens chaud à descendre niveau 7. Hein. Attendez, il y a deux trucs. Il serait pas genre juste à côté là. Mais mort de rire, regardez. Up to level 5, down to level 7. Lol. Ok, niveau 7. Là, faut faire gaffe. Attendez, on va bien mettre les potions en raccourci. Je me prépare à créer un taunt portal au cas où. Histoire de pouvoir revenir rapidement. On va en prendre des popos. J'ai bien écouté les conseils. Ok. Ah, il faut faire gaffe là. En vrai, je peux déjà faire maintenant le tour de portail en soi. T'as oublié une grosse quête dans le niveau 6. Ah, bah attends, je te fais confiance. Je vais continuer de le poncer alors. N'hésitez pas, le backseat comme ça, y a pas de problème. Hein, parce que le but du jeu, c'est quand même d'avancer au max dans le jeu, donc... pas de soucis, je continue d'explorer dans ce cas-là. Oh putain. Revez, bande de bâtards! Wow! Elle serait pas là, ta quête, par hasard? Qu'est-ce qui s'est passé ici? C'est moi, ça? Je sais plus. Il y a même un tombeau dans 5 niveau 5. Ouais, bon, ça. Si, c'est ici. Hein. Ah, attends, qu'est-ce que je dois faire pour la quête? Parce que je vois rien. Le petit livre. Ah, oh, putain, il est où? Tu vois un bouquin, toi? Ou alors ici, non? Tu veux dire? Attends, je vois pas de bouquin. Je zoome, mais je vois pas de livre. Ah, si, là, celui-là! Mythical Book. Ah, tu l'as parlé de celui-là, toi. Oui, merci. Ok. Bueno. Ok. On va faire un portail dans ce cas-là d'ici, pas de problème. En vrai, on est tellement à côté des passages que bon. Beyond the Hall of Heroes lies the Chamber of Bone. Eternal death awaits any who would seek to steal the treasures secured within this room.
Mais mais... Wow, ça a tremblé d'un coup. Il y a tellement de... C'est à ce niveau-là, non? Je dois revenir, là. On peut continuer à cliner un peu, en vrai. Putain, mais l'ambiance, elle est terrifiante, en vrai. La musique et tout, ça te fout une pression de dingue. Je vais crever. Ou pas. Quel moment j'ai pas la potion dans mon inventaire, healing potion. On va vite. On va refaire un TP, c'est pas grave. L'entrée est devant le livre. Ah, ce truc-là, là-bas. Attends, on va y aller après. On va aller... on va refaire un portail. Ah bah quoi, pas besoin de portail. En vrai, j'ai la catacombe juste là. On va me faire chier avec un portail. On va vendre. On va prendre... On va faire gaffe. Hop, excusez-moi, j'ai dit un message. Merci, Lou. Ouais, j'ai un peu de chance. J'avoue que j'ai un peu de chance. J'ai pas mal de thunes, là. Je suis à quoi, 38 000. Ça monte très, très bien. On va dégager les potions de mana, là, qui me servent à rien. Pas les couilles. Scroll, voir. Je sais pas ce que ça veut dire, ça. À tous, Elios. Non, faut que j'identifie, c'est vrai. Identifier, hop. Ok. Ah, The Chamber of Bone, tiens, ok. Je sais pas s'il me file pas les quêtes. Alors, 3 vitalités. Nat-Nat ? Nat-Nat ? Tu peux me faire un Holy Ice Tea, s'il te plaît ? D'après toi ? Le pêche, évidemment. What else ? What else, what else? Pardon? Ah, super, merci. Alors, oui, tout à fait, Sargos. En fait, c'est Diablo 1 Hellfire avec le mode Belzebub. Mais c'est bel et bien Diablo 1 que j'ai acheté sur GOG. Tout à fait. Hit recovery speed. Oh, elle est pas mal, elle. Chance tweet plus 16%. Incroyable. Elle est tellement pétée. Je suis à combien maintenant là? 117% de hit. Bon, t'as-tu arrivé là? Changerai mon DPS. Classe armor 10, niveau 3 requis. Huit vitalité, moins 1 dégât. 3 vitalité. Light radius increase. Je sais pas ce que veut dire ça. Ah, je vois plus autour de moi. Vas-y, go. Parce que là, 5 vitalités, Joseph. Ok. Ok, on va aller vendre. Ok, tac. Mana moins 9, plus 5 vita. Non. Chance tweet plus 9%. Non. On va pouvoir monter la force maintenant. Attends, est-ce qu'il n'y a pas des nouvelles armes stylées là? 17 à 36, niveau 6 requis. Non, ça pue la merde. Mâche, là, elle est trop vénère. 21 à 46. J'aimerais bien choper une belle clémore. Ah, il y a des clémores, mais c'est à une main. Ah, oh, tristesse. Il n'y a pas de grosses épées à deux mains, il n'y a que la hache. Tristesse, tristesse. On va acheter les popos. C'est parti pour les popos. La quête niveau 5, je te la conseille. Bah ouais, mais bon, c'est deux trucs que tu parles, tu sais, sous-sol. Bah, le problème, c'est qu'il y avait... j'ai tout buté et il y avait rien. Ouais. Tiens, tu redescends. Merci beaucoup. Ça va, t'as un peu... le sel est passé. Ma pauvre. Pour le coup, c'est dans le niveau... Ah, c'est le... Ah oui, c'est le niveau moins 5 que tu me dis avec le truc de l'ancien, je sais pas quoi, là, c'est ça? L'ancien soldat, le tombeau, l'autre con, je sais pas quoi. Ouais, ok.
Bon, j'irai voir, j'irai voir. Donc, niveau 6, et je vais juste au-dessus. Ici, tu m'as dit que ça s'était ouvert, la chambre... Ah oui, to the Chamber of Bone. Nouveau boss ? Est-ce que c'est comme le boucher, je vais avoir un nouveau boss ? J'aime les nouveaux boss. Wow, il y a des gens énervés là. Pas de gros boss ici, mais du combat. Ouais, il y a la baston. Ils me font mal, hein, ces bâtards. Ouais, ils sont nombreux en même temps. Après, je leur fais très très mal aussi en vrai. Bon, ça vaut le coup d'enlever l'affichage des loots parfois. J'imagine pas avec une. Vous savez, avec genre une vieille. Enfin, 800 par 600 et tout le loot affiché là, tu vois même plus l'écran quoi, au secours. What? Qu'est-ce que c'est que ce truc devant? Au secours. On y va? Ah, Broken Door, merde. On a l'air vénère devant. Après, je fais vraiment mal. Skull, ok. Broken Door toujours. Ça a pas l'air la joie ici, hein. La musique, c'est vrai qu'elle est terrifiante. Je prends des patates par contre parfois. C'est vrai qu'une grosse armure de plate, ça serait stylé. Wouh! Oh oh! De Dieu! Ok. Attendez là, deux secondes, deux secondes. Oh là là. Ah oui, j'avais pas vu que c'est des croix en mode un peu antéchrist quoi. Ah, j'avais pas fait gaffe effectivement que c'est des croix inversées en flammes. Sympa. Le feu est globalement bien fait en vrai. Hein. C'est ce qu'on appelle un sprite, si je sais pas de conneries. Ça a ouvert. Ah! Wow, 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 bonjour! Ils sont nouveaux eux! C'est la merde. C'est la merde, c'est la merde, c'est le décès. Allez, peut-être pas, peut-être pas. Oh putain, j'ai réussi. Mais je suis pas avec la bonne arme. Putain, je suis pas avec la bonne arme, j'avais pas vu. Putain, j'avais pas la bonne arme depuis tout à l'heure. Non. C'est pas grave, on va en à côté. Fuck. Fuck, fuck, fuck. J'étais encore avec mon épée bouclier à la con là. C'est pas grave, on y retourne. Ouais, malus pour le coup. Ouais, ça sent mauvais lui. 2 hein. À 7. On va tout réparer. J'ai pris un peu lourd là. Malus a jamais dans le cœur, hein, les gars. Je vous le dis. L'attendez pas lui. Hein. Tac. Y'a pas une belt. Require strength. Elle a l'air stylée ça, attends. Peut-être changer un truc d'avoir une meilleure ceinture en soi. Attends, c'est du tone portail tout ça?
Weapon, 7 à 20, c'est nul à chier. Putain, mais filez-moi une bonne arme là, JPP. Ok, on y retourne. Je vais vendre à lui quand même, hop. On va acheter quelques popos. Tone Portal, Tone Portal, Identify, Tone Portal. Warp, je sais pas ce que c'est, je vais garder dans le doute. 20 ponts raccourcis, ah oui, ça va être pas mal ça. Ah oui, mais déjà là, c'est vachement. Ah oui, c'est déjà vachement mieux. D'accord, ah ouais, plus la ceinture augmente, plus t'as des trucs dans ta ceinture, ok. Ok, ok, donc en fait, tu montes quand même ton inventaire. Yes, 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 ouais, ça change la donne déjà. Ok, on est reparti. Ok. Ok, ok, ok. Alors. Bonne soirée, Salpe Blanc. N'hésite pas à laisser une vue pour le point d'exclamation boutique. Il est au courant pour la stache en ville. Ouais, je suis au courant, mais je ne garde rien. Si tu regardes bien, je vends tout comme 7. Mes potions, bon, bah, il faut bien que je les. Tu vois ? La stache en ville, elle me servira à rien pour le coup. Tout ce que j'ai sur moi, c'est ce que j'utilise directement en combat. Ah, si t'avais pas suivi Salve Blanc, la boutique, ça a changé la vie pour le coup. Ça fait maintenant 4 mois, 5 mois qu'elle est en place. Et il y a eu déjà plusieurs milliers d'euros de jeux offerts. Et là, t'as pas mal de jeux. Merde! Attendez. Ok. C'est unique sur le Twitch World, mon concept de boutique. Ah mais c'est le feu qui devait me cramer la gueule, j'ai l'impression aussi. Wouah, dinguerie là. Vous pouvez vérifier, à ce stade là, y a personne d'autre qui fait ça sur Twitch. C'est un peu un système de récompense, de présence quoi. Comme carte de fidélité version streamer. Mais plus quoi. Vraiment plus. Ok, je pense qu'il faut aller là. Wouah. Ok, on va les attendre bien un par un. Voilà. Allez, venez vous faire latter la gueule. À la queue le le. À la queue le le. Voilà, c'est ça qu'on veut. Allez, suivant. Jean-Jacques, Jean-Marc, Jean-Claude, Jean-Euripide, Jean-Cyril, Jean-Cédric, Jean-Michel, Jean-Maurice, Jean-Joseph, ça en fait des gens, hein, putain. Jean-Paul, allez, allez, putain. De. Jean-Bernard, j'en passe, c'est des meilleurs. Allez, allez. On s'aligne, les connards. Voilà, 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 on va pas rentrer, on va pas rentrer. On va les laisser venir quand même, y'a du monde encore. Il y a encore toute la team des gens dictionnaire. Jean Cato. Ah, level up. Ok, c'est parti pour les loot. Oh putain. Merde, non, pas là. C'est ça que je voulais. Ok. Ah, ça continue. De Dieu. Oh là, il y a un truc vénère là-bas. Oh là là, il a l'air vénère lui à gauche. On va finir les ZAD. Oh de Dieu. Démon. Ouais, lui, il a l'air énervé lui. Ça va, heureusement. Putain, si je touche. J'ai tellement de pourcentage de hit, je l'ai éclaté le bordel. Ouais, mais je crois que j'ai pas assez de magie, il faudrait que j'en mette un peu. Ah putain, c'est le bleu blanc. Attends. Ouais, je veux bien, mais tu vois, ça, il faudrait que j'ai 20 de magie. C'est énorme en vrai. J'ai 0. C'est pour ça, non, mais les portails, ça me va. C'est vrai que ce serait stylé en vrai d'avoir le skill des. Mais bon, ça me fait 4 niveaux qui me servent qu'à ça, quoi. Regarde-le, c'est le cas, quand tu retraites de ça, tu pourras. Oui, je peux effectivement le garder. Je peux le prendre avec moi et le. Je peux faire ça.
Voilà, en parlant de ça, on va recharger deux potions. Ok. Monter un peu la vitalité en vrai. J'ai pas tant de vie que ça. Je suis qu'à 40, c'est pas ancien tome. Oh là! Bonjour? Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un sort de soutien, mais comme il n'y a plus de monstres, fais rien. Ok. J'en ai fini avec la chambre des eaux, on est d'accord? Ouais, bah écoutez, je le stockerai, hein, je le stockerai. Ok. On se barre de là. Céline, tu le verras ce sort dans les autres Diablos aussi, hein. Ça roule. Alors. Continuons. Là, moi je cherche... Ah oui, c'est ça, tu me disais le niveau 6. Et moi je voulais attaquer là le niveau 7 pour... Enfin, pour la suite en fait. Yes, c'est parti. Let's go. Ah mais j'ai mon IST, attendez. J'ai mon lit IST. J'allais oublier. Il est rentre bon. Il est tellement parfait le nouvel Oli IST. Tuerie. Il est vraiment trop bon. Ah Nina, elle est au taquet, j'aime. J'aime Nina. Ah j'ai toujours mon tour de portail, tiens, ok. T'as bien raison, écoute, hein. Eh. On y gagne, hein. C'est exactement le but pour lequel on a créé ça avec ce cure, le point d'exclamation clip. Pour les nouveaux de la chaîne, il y a par exemple Vache la Tempête, point d'exclamation clip. Justement, c'est en corrélation avec la boutique. Ça fait partie du modèle économique de la chaîne. Bâtard de mob. Venez là, les salauds, là. Allez, salaud. Venez là, bâtard de satyre. Putain. Bordel de cul. Vas-y, je me fais le dernier. Je te chope, je te fume ta gueule. Bim. Voilà, salopard. Salut Naga. Salut. Whispering their hidden song. Then you see what cannot be. Shadows move where light should be. Out of darkness, out of mind. Cast down into the halls. C'est aussi pour le quotidien, Nina. Par exemple, bah on t'aura que un premier. Mais si. Enfin, c'est-à-dire qu'il y aura une récompense. Enfin, ok. S'il y a deux, un premier ex aequo, les deux ont les 10 000 crédits. Si t'as deux clips à toi qui sont premier ex aequo, tu n'as quand même par contre que 10 000 crédits. T'as pas 20 000. C'est pour soutenir plus de gens possible. Par exemple. Oh putain! Saloperie! Je vais voir ça, Cam. Eh, hey, mais les archers, je les déteste. Hein. De tout mon cœur, de toute mon âme. Oh putain. Ils viennent d'où là? Ils viennent d'où? C'est quoi tous ces petits bâtards? Ok, ça le fait. Ça le fait. On va enlever les loots pour buter tout ça. Allez. On bute tout. Oh, le cliff qui fait bien le taf.
Eh mais les archers là, je vous... Ah putain, en plus ils vont me faire aggro plein. Mais regarde comme il court ce petit bâtard. Mais viens là, JPP. Vas-y, t'es bloqué là. Tiens. Voilà. JPP là. Bim. Oh les loots, ça va être la dinguerie là. Ok. C'est quoi ce sache? Oh, c'est une ceinture bleue? Oh, ça a l'air intéressant ça. Ah, les archers, ils sont insupportables. Terrible. Terrible, terrible, terrible. Pourquoi il y a des bébés qui pleurent derrière? Il y a des bébés qui chialent derrière, je comprends pas. Attendez, j'ai pas débloqué déjà le niveau 8? Oh, je suis chaud. Ah bah tiens, Book of Stone Portal à nouveau. On va en vendre un, on va en stocker un autre. Niveau 8, allez. Des femmes qui jouissent. T'as pas entendu une femme qui joue depuis un petit moment, attends, moi j'ai... Femmes qui jouissent, elles font pas... Ça existe pas, ça. Je l'ai plein, sinon, honnêtement. À plus tard, Kamset. Bonne soirée à toi. Franchement, si vous êtes avec une meuf folie et qu'elle commence à faire... Fuyez, les gars. Ça fait peur. Non, non, non. Non, 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 non.